culturel d'Agonie qui donne le top du lancement officiel de la 6e édition des Saveurs locales du Zou à la gare routière de Kové. Ensemble avec les filles et fils de la région Agonie, la communauté des communes du Zou a matérialisé ce mois du consommant local. Des stands remplis de produits made in Benin, des farines améliorées à base de manioc, du maïs, yam à usage multiple, des gâteaux sans farine de blé, du riz local, l'huile Agonimi, des poulets, du gari, du tapioca, de poissons de diverses marques, des mets locaux d'Agonie et bien d'autres. Agonie a compris depuis très longtemps que nos produits locaux importent tant pour la stabilité de nos santé et pour celle de l'économie locale et celle de l'économie nationale. Ici à Agonie, vous allez trouver déjà les mets comme aboté. Vous allez trouver simelogue. Vous allez trouver bigot. Vous allez trouver assimi. J'aimerais vous remercier. Remercier pour nous avoir associés à cette cérémonie. Nous intervenons dans 4 départements, dont le département du Zou. Et ce programme a pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire des acteurs ciblés à travers un accroissement de leurs revenus. Du agbochebou pur au sato originaire d'Agonie, en passant par le lomba du dauphin de la Victuose, artiste Gbema Omende et l'expo des produits, la richesse du département du Zou est révélée au public ce mercredi 19 octobre 2022. Acheter un produit à la fois de la 6e édition du Consommons Local, c'est simplement apporter du soutien aux producteurs locaux, agriculteurs et entrepreneurs. Dans cette aventure, les acteurs publics cherchent à accompagner, à soutenir des initiatives qui vont contribuer à développer l'économie locale, à créer de l'emploi, à valoriser les ressources locales, à préserver l'environnement. Et je pense aussi à l'avenir, avec des nouvelles filières que nous aimerions ensemble continuer à soutenir. Et puisque nous sommes sur le plateau d'Agonie, je pense à l'arachide, évidemment. Je pense aussi au riz qui fait la fierté de Kové, et en particulier de son maire. 6e édition des Saveurs locales du Zou, une véritable occasion de prise de contact entre entrepreneurs et clients portée par la CCZ et financée par Saint-Bénin et du département des Hauts-de-Seine. Tout développement tourne autour de la promotion de l'économie locale. Et qui parle de l'économie locale parle de la promotion de ce que nous savons faire. Le gouvernement a vu juste en décrétant le mois d'octobre comme le mois du consommant local. Et c'est pour cette raison qu'Andamori, avec celle politique de l'État, au niveau de la communauté de communes du Zou, qui est la fêtière des 9 communes du département du Zou, nous nous employons tous les jours à ce que réellement ce que nous produisons ici soit consommé pour que vive l'économie. C'est donc sur cette note d'exhortation que je déclare officiellement lancer les activités et saveurs locales du département du Zou. Le consommant local, une promotion de l'économie à la base. En lançant officiellement cette édition des Saveurs locales du Zou, le président de la communauté des communes du Zou a une fois encore invité les populations à consommer local. Saveurs locales du Zou, c'est aussi la valorisation des rythmes traditionnels. La visite des stands a marqué la fin du lancement. Pendant 4 jours, la population aura droit à un programme bien fourni. La gare routière de Kové sera donc le point d'attraction de la région Agonie.